Faut que je vous raconte un truc de fou qui m'est arrivé hier. Déjà, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez bien commencé votre journée. Écoutez-moi, hier je suis arrivée à Paris, j'étais pas dans un bon mood hier, j'étais hyper triste. Je sais pas, j'étais pas bien, il faisait gris, j'étais un peu fatiguée. Vous savez, quand on a des jours comme ça, quand on se réveille, on n'est pas de bonne humeur, on n'est pas dedans quoi. Bref, j'arrive à Paris et tout, je suis contente, j'ai mon taxi direct, j'arrive à l'appartement. Déjà, je vois, il n'y a pas d'ascenseur, 3 étages à monter avec 2 valises super lourdes. Je me dis, non, ça continue. Quand c'est un jour sans, de toute façon, ça reste un jour sans jusqu'au bout. Et bref, j'arrive à l'appart trop mignon, trop trop cute et tout. J'installe mes affaires et tout, je me pose. Et là, je commence à entendre des cris, mais super fort. Ah, ça tapait contre les murs et tout. Je me dis, c'est quoi cette folie et tout. Et c'était une dame en fait qui criait pendant très longtemps. J'osais même pas me mettre par la fenêtre, écouter au mur tellement qu'elle criait fort que j'avais peur. Et au final, non mais, de toute façon, ça peut arriver qu'à moi des trucs comme ça. Là, il y a la police qui arrive. Attendez, ça m'a coupé dans mon élan. Je vous le refais. Donc là, il y a la police qui arrive, ça fait pa 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 à ma porte. Je commence à avoir super super peur, je n'osais pas ouvrir. En plus, j'avais un peu la tête dans le boule, je vous dis la vérité, parce que je m'étais endormie entre temps. Et là, j'ouvre et tout. Il me dit, c'est ici que ça tape et tout. Bonsoir, c'est la police. Tout, quand ça me crie dessus, je dis, non, monsieur, c'est pas ici que ça tape et tout. Par contre, j'entends des bruits depuis tout à l'heure, ça fait flipper et tout. Il m'a dit, bon, vous inquiétez pas, enfermez-vous bien et tout. On va faire le tour des appartements et tout. Et après, ça s'est calmé. Et après, j'ai bien dormi. Voilà. Et voilà. Et voilà, je me suis levée, j'ai déjeuné, j'ai fait un petit coup de ménage. Et voilà, j'attends la maquilleuse, qui est maquilleuse et coiffeuse. Et après, j'ai le photographe. Pardon, excusez-moi. Et après-midi shooting. J'ai pas mis de filtre, comme ça vous voyez bien la texture du savon et vous voyez bien ma peau aussi. Je commence toujours ma journée avec mon savon au lait de chèvre bio et à l'huile d'argan bio. Tout est bio, hein, chez la Maison des Sultans. C'est trop bien si vous voulez une peau sans imperfection, une peau bien hydratée, parce que du coup, en fait, vous allez avoir le savon au lait de chèvre bio qui va sécher vos imperfections et vous allez avoir en plus l'huile d'argan qui va venir bien hydrater votre peau. Donc vous faites ça matin et soir, vous lavez votre visage et une fois par semaine, vous le laissez poser en masque. Là, vu que j'ai shooting aujourd'hui, qu'elle va me maquiller, je vais le laisser poser un petit peu et après, je vais vous montrer. Bon, vous connaissez la plupart d'entre vous. Après, je vais mettre la gelée à l'eau de rose pour me faire un beau teint bien frais, bien glowy, bien net. Allez, je laisse poser, je rince et après, je vous montre la gelée. Hop. Voilà, ma peau sans filtre. Franchement, je suis trop trop contente. Et là, je viens mettre ma gelée à l'eau de rose pour bien hydrater ma peau, faire un effet bonne mini média, comme je vous disais. C'est super agréable à appliquer, c'est frais. Ça retend la peau, ça pulpe. Et en plus de ça, c'est trop bien parce que c'est pas gras et c'est pas collant. Donc vous pouvez commencer la journée comme ça. Hop, ça sent trop bon. Fan de la rose. Je veux des rouges de partout dans ma vie, dans mon corps, de partout. Je me suis même mise à boire de la limonade à la rose. J'adore. Je vais vous donner une grosse promo là en plus, au moins 35%. Sur tout le site, la Maison des Sultans. Franchement, c'est de la bombe. Voilà, c'est parti. La Maison des Sultans. T'as vu, ça, c'est de la frappe. Hein. Je suis pas en retard, c'est Anja qui est très en avance, je tiens à le préciser. J'aime trop quand c'est Sandra qui vient s'occuper de moi. Elle me maquille, elle me coiffe, elle a toujours des très bonnes idées, j'aime trop, elle est trop forte. Je te sauce Sandra. Merci. Parce que je le pense vraiment. Là aujourd'hui, elle va me faire vraiment un truc vraiment très très beau, très nude sur le make-up et une coiffure un peu destroy, un peu effet glowy, mouillé, tout ça va être canon, je suis trop contente.